Salut tout le monde les amis, c'est Shinmutsuri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pas n'importe quoi, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure sur Monster Hunter World. Je suis sur Xbox One, la Xbox One X d'ailleurs, accessoirement, bon, ça sera pas en 4K la vidéo, parce que le PC ne lit pas la 4K, mais voilà, dans tous les cas, ça sera sur Xbox One. Pourquoi sur Xbox One? Parce que tout simplement mes amis, les trois quarts des gens avec qui je joue sur console sont sur Xbox, et du coup pour jouer avec eux en multijoueur, j'étais obligé de le passer sur Xbox One dans tous les cas. Voilà, Monster Hunter, donc c'est un jeu, c'est une licence de jeu que j'adore, honnêtement. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas commencer une nouvelle aventure donc sur ce Monster Hunter World, dans lequel une nouvelle façon de faire que j'ai en plus sur la chaîne, tout simplement parce que maintenant il y a le facecam. Je prépare mes vidéos comme ça en direct, et ensuite j'ancre la facecam en haut ou en bas, je sais pas, on verra en fonction de l'interface pour l'instant. Dans tous les cas, voilà, on est paré du coup pour une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Trêve de blabla et on y va, c'est parti. さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを勧めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。 Et à savoir aussi que j'ai fait exprès, j'ai mis les voix en japonais pour que ça soit mieux en termes de trucs. もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了？いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しい。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？ええ、奇遇、俺たちもなんだ。 Ok, c'est plutôt cool. Donc on est dans la création de personnages maintenant. Franchement, l'introduction est plutôt sympathique. On voit qu'ils ont refait
que Capcom a renouvelé en fait la licence, parce que ça n'avait rien à voir avant, hein, en termes de... Bon, ils ont commencé à faire des cinématiques petit à petit, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté très scénarisé avant. Et c'est toute la force de ce Monster Hunter, de toutes les tests que j'avais déjà eu à l'époque avec la bêta et tout ça, de ce que j'ai vu, ils ont vraiment renouvelé la licence, et ça va plutôt être cool. Juste le temps de créer mon personnage, je vous fais une ellipse ou un accéléré, je verrai. Peut-être une ellipse plutôt, ce sera plus simple, ça sera mieux pour vous. Le temps de créer mon personnage et je vous reprends juste après. A tout de suite. Eh ben écoutez, c'est qu'il est plutôt pas mal, notre bonhomme. Hein ? Bah écoutez, moi je le prends comme ça. Hein. Entrez votre nom, bah voilà, bah écoutez, bah ça va être très bien. Hein. Le nom, on va pas bouger, hein. Pourquoi y aurait-il une raison de changer ? On va s'appeler Ishin, tout simplement. Voilà. Et oh oui, c'est vrai qu'il faut créer le chat maintenant, ça c'est cool. Notre palico. Très très bien. Bah écoutez, ça va être assez rapide. Je fais ça en speed et je vous retrouve pareil. Ok, bah écoutez, il est plutôt pas mal. Bon, bah le temps de créer le perso et le chat, j'en ai eu pour au moins un bon gros quart d'heure, voire 20 minutes. Ça fait du monde. Bref, bah du coup, le chat est pas mal aussi, mine de rien. Moi, je le prends comme ça, il est beau. Il est magnifique. Hein. Faut le dire, ce qui est, il est beau. Hein. Entrez le nom. Alors, du coup, le nom. Bah écoutez, je vais rendre un hommage au chat dans les Schtroumpfs. On va l'appeler Azrael. Voilà. Azrael qui est aussi accessoirement le dieu de la mort, ange de la mort, ange déchu de la mort, quelque chose comme ça. Bref, voilà, enfin Azrael quoi. Il est, c'est classe, c'est pimp, moi j'adore. Et c'est parfait. Démarrer le jeu avec ses personnages, bien sûr que oui, c'est parti. Donc ça sauvegarde, je pense qu'il va y avoir une petite cinématique et je vous retrouve juste après la cinématique. Ou après le chargement. はい。落ち着きに。推薦組同士、頑張ろうぜ。乾杯。交流はなんで新大陸に向かうんだろうな。 あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ、ギルドは俺たち5期団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？ わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。 Et bah c'est que ça commence fort, dites-moi.
Ah ouais, d'accord, il est pas du tout gigantesque le machin, hein. Tout va très bien. C'est quoi ce bordel? Alors, voyons, LS ou RB pour courir. Ok. Bon, là, du coup, je suis avec RS. Grimper. Oh, ouais, d'accord. Bon, ça a pas bougé par rapport aux anciens. Sauf que là, il grimpe vite. Ouais, d'accord. Faut effectivement faire quelque chose. Le navire est en pas très très bien. Ok, beaucoup de cinématiques pour l'instant, mais bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Oh là, vas-y, cours, putain, c'est excellent. Putain, ça commence fort. Ça commençait pas comme ça avant les Monster Hunter, j'aime plutôt le concept, hein, je dois vous avouer. Ça fait vraiment très aventure, c'est quoi ce bordel? Voilà les trucs qui me tombent dessus. C'est terrible, c'est vraiment Oh, ce qui vole au loin. Oh, salut les gars. Oh putain. Bon, par contre ouais, d'accord. Ah, c'est par là, ok. Hop. Ouais, bon, on va se barrer pour l'instant. On n'est pas équipé pour se battre. Donc déjà, la maniabilité, ça n'a rien à voir avec avant. C'est beaucoup plus vif, beaucoup plus... Ça bouge mieux. Voilà, ça bouge mieux. Ok, faut courir. Ah, ça bouge en plus, c'est énorme. Voilà le colosse. La vache, c'est quoi ce colosse? Alors par contre, y a rien à dire, les graphismes, le paysage est magnifique. Il est somptueux. Ça c'est fait. Alors franchement, pour l'instant, cette cinématique d'introduction est juste impressionnante. Les graphismes, mais c'est quoi ces graphismes de malade? Les décors sont magnifiques. Mais bon, c'est pas non plus oufissime en termes de graphisme, mais c'est beau. Bon, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai que les graphismes, c'est pas, on a vu mieux, mais honnêtement, il est quand même très 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 beau. Les textures sont vraiment très sympathiques, rien à dire. Je dors comme il fait. Le petit mouvement. Alors, ouvrir, fermer la carte. Ok, c'est ça. Ah oui. C'est vachement bien fait. Ah ouais, le coup des zones en fait qui sont pas séparées par un temps de chargement, en fait elle est là. C'est super, ça fait... Oh, en fait ça fait comme un open world. Sauf que... Enfin ça fait comme un open world, sauf que c'est pas un open world vraiment, c'est comme avant les zones, sauf qu'il n'y a pas... Voilà, comme je disais, il n'y a pas de temps de chargement en fait. C'est génial.
Mes amis, bienvenue dans Jurassic Park. Forêt ancienne. D'accord, donc il faut aller au QG, c'est parfait. Oh, et puis, oh là 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 là. Alors. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer, mais. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Les graphismes sont splendides. Oh, c'est les Aptonos, ouais. Sympa. C'est vraiment beau. Ouais, et oh là 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 là. Cette vue sur la mer et tout. Oh. Ah, franchement. C'est vraiment un jeu qui va, je pense, va me faire vraiment kiffer jusqu'au bout. Vitalis. Ah, cool. On peut déjà récupérer des trucs d'entrée. Alors du coup, de ce que je sais, comme le jeu a été refait par rapport aux anciens, les habitués de Monster Hunter, bon, moi par exemple, j'ai pas passé des milliers d'heures sur Monster Hunter, mais j'ai quand même joué un minimum, mais je connais quand même un peu le jeu. On sera quand même pas, de ce que je sais, c'est qu'on ne sera pas du tout dépaysé malgré tout. C'est juste plus... des tests que j'ai vus, en fait, ce jeu est plus ouvert à tout le monde par rapport à avant. C'est vrai qu'avant, c'était très compliqué. On n'avait pas vraiment de tutorio pour nous montrer... pour nous montrer, en fait, comment se passer le... comment avancer dans le jeu, quoi, tout simplement. Il fallait juste suivre les quêtes, se débrouiller au mieux et comprendre par nous-mêmes. Là, c'est vrai que ce que je sais, c'est que ça sera plus ouvert au monde. Ça sera mieux expliqué. Ok. C'est sympa, ça. Ah ouais, non, franchement, il y a tous ces petits façons de se déplacer pour avancer dans la jungle, plutôt sympa, j'aime bien. Très très sympa. Notre premier ennemi, je crois. Nos premiers ennemis. T'es parti par où? Ah, c'est par là. Ah, donc c'est vrai que là on n'a pas d'armes pour l'instant, donc faut mieux. Faut se cacher comme ça, d'accord. Ouais, enfin j'ai mis un peu de temps à me cacher, donc ce que je vais faire c'est que je vais me barrer. Voilà. Il me voit pas là. Par contre, ça c'est nouveau. Avant, on pouvait pas se cacher dans les anciens, parce que en général, quand dans les anciens, on était déjà armé quand on arrivait dans les phases croyants, ça serait que on est naufragé et on arrive en fait comme ça dans le monde, quoi. Ah, premier succès, art du camouflage. Bah c'est cool. On débloque notre premier succès, accessoirement, plutôt sympa. Plutôt classe, j'aime bien. Non, franchement, c'est très très joli. Et là, c'est en train de me hyper de plus en plus, je dois vous avouer. Déjà que Monster Hunter, c'est je l'attendais quand même grandement, ce jeu, je dois vous l'avouer. Mais pas non plus que ça, parce que je me suis dit, bon, c'est Monster Hunter, quoi. Je connais quand même Monster Hunter, mais c'est pas non plus le jeu oufissime. Mais là, je dois vous avouer que pour l'instant, les premières minutes sont plutôt sympas. Et j'ai hâte qu'on arrive en fait dans la zone basique pour commencer à faire des armes et tout ça, quoi, pour vraiment commencer les vraies missions après, quoi. Vieille empreinte. Ok, pour l'instant, la suite, c'est assez linéaire pour l'instant.
Voilà, 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 je dois faire quoi, je dois faire quoi. Ah, ça gagne. D'accord, ok, lui il l'a, ouais, ok. Ouais, là, pour l'instant il les suit, moi je peux limite rester en retrait. Bah, dépêche-toi, cours. Bah, personnellement, il vous suit, moi, personnellement, je le suis, en fait, hein. Je veux pas dire... Ok, ah, mais d'accord, la porte est là. Il est trop stylé. Ça, c'est fait. Bon, du coup, vu qu'il est en train de becter, moi, je peux passer tranquillement, hein. C'est classe, c'est vraiment stylé. Les cinématiques sont extraordinaires, j'adore. Franchement, j'adore. Et je vous avoue, j'ai hâte de commencer vraiment à rentrer dans le jeu, quoi. Idaro, tennen no mongama yo kugutta sono saki, koko ga chousadan no kyoten, Astera da. Chousa kyoten, Astera. ご機嫌は全員到着している。お前たちが最後だ。これで手当てです。大丈夫。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。 あんたたちが見当たんなかったから、ヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。じゃあ、後でな。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。 すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。 C'est vraiment stylé. C'est vraiment super stylé. Bienvenue Astera, j'étais sûr que vous arriveriez jusqu'ici. Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir repérer les bonnes recrues. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation le permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous formerez une excellente équipe. Au fait, chasseur, ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Allez donc faire un tour dans Astera. Une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. A plus tard. C'est vraiment super classe comme zone. Alors sur toutes les zones dans lesquelles j'avais l'habitude
d'explorer les... Dans toutes les zones qu'on avait l'habitude dans les anciens Monster Hunter, les zones étaient sympathiques, des fois c'était des petits villages et des trucs comme ça. Mais alors là, par contre, c'est vraiment classe. Ok, re tout le monde, désolé, la caméra s'est coupée, plus de batterie dedans, j'aurais dû... c'est vrai que la vidéo commence à durer de mon côté, c'est pour ça que la caméra a coupé. Je finis avec mon téléphone, du coup ça sera pas la même qualité d'image, mais c'est pas grave, c'est pour la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps de vidéo vous serez avec toutes ces cinématiques, je pense que l'épisode est quand même relativement long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même finir cette phase-là. Et dès qu'on a fini cette phase-là, qu'on pourra commencer à se lancer vraiment, on s'arrêtera pour cette première, pour ce premier épisode, du coup. Alors, faut suivre le chef d'équipe, il est là. La force se trouve en haut, d'accord. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment super beau, hein. J'adore l'ambiance de, du coin. J'espère qu'il ne tombe pas du coup dans le coin. Ouais, et j'espère qu'il va bien aussi. Ok. Bon, pour l'instant, il y a quand même. C'est très très bien scénarisé, je trouve, pour l'instant. Franchement, c'est plutôt sympa. La forge, l'endroit, c'est vrai que c'est le coin dans ce genre de jeu où on passe le plus de temps. Normal. C'est... Oh là 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 là, c'est stylé. La cantine, point très important dans les Monster Hunter car ça permet d'avoir des bonus pour aller à la chasse avec nos... avec les ennemis tout simplement. Bon. Mais c'est vrai que quand on est, quand on connaît bien les Monster Hunter, on sait très bien le nombre d'heures qu'on peut accumuler sur un Monster Hunter. C'est très 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 long. C'est, pour moi, en termes de jeu, c'est ceux qui ont la plus grosse durée de vie, quoi. Oh mon palico! Il est trop mignon! Bon, on va pas se cacher. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。ご祈願の者です。よろしくお願いします。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラマグダラウス。 Une bête énorme, les chines volcaniques. Oui, donc ça, c'est le gros monstre qu'on a vu sur la première grosse cinématique, là où le bateau, en fait, enfin, où il a ramassé tous les bateaux. Quoi. 地形を変え、時には災害を引き起こし、遥か古来より古竜とはそういうものとしてあるんや。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。
まずはジャグラスの生息域調査だな。状況によっては討伐も検討してくれ。はい、頑張ります。他の南名はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。腕が鳴るぜ。ご機団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくだとさ、一緒に行こう。期待しているよ。その旗印と同じく調査団の追い風となってくれること。以上、解散。ああ。Ok. Ça ne fait même pas une journée que la cinquième est arrivée et on vous envoie déjà en mission. Bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras. Mais d'abord, il va te falloir une arme. Il y a un coffre à ta disposition dans ta chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Ah, donc là, il va nous emmener à notre chambre et on va avoir notre arme. Donc c'est cool, on a encore notre chambre comme avant, donc ça c'est génial. D'accord, ok. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on va avoir notre chambre comme avant. Donc ça va être génial. On va avoir toutes les accès à toutes nos affaires, toutes nos bah, tout ce qu'on fait dans les ensembles. On doit avoir sûrement des cinématiques et des trucs comme ça, je pense. La musique est très sympa. Ok. Cool. Moi, ce que j'étais en train de penser avant que l'autre cinématique ne se lance, c'était par rapport à notre personnage. Dans Zelda Breath of the Wild, si vous y avez joué, moi je ne dirai rien pour pas spoiler, mais Link, vous savez, il ne parle jamais dans les jeux. Et là, avec les cinématiques doublées, du coup, ça me choquait pas parce que ça rendait bien. Bizarrement, dans le jeu, ça me choque que le héros ne parle pas avec les autres. Ça fait très bizarre. Il est juste en train de faire des sourires. C'est perturbant, je dois vous avouer. Mais, bah, c'est le début du jeu. On va pas commencer à critiquer sur des petits détails comme ça. Hein ? Voilà. Bon, on va récupérer une arme déjà. Alors, coffre, inventaire, équipement, il y a que ça qui est là. Les différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Par exemple, les grandes épées infligent des attaques dévastatrices, tandis que l'épée et bouclier offrent une plus grande mobilité avec des frappes rapides. Le fusil arbalète lourd et encombrant mais très puissant, choisissez l'arme qui convient le mieux à votre style de chasse. Vous entraînez librement avec l'arme de votre choix, parlez au chambellan de votre chambre pour vous rendre à l'aire d'entraînement. D'accord, donc là au moins de... Comme vous voyez ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure, que dans les anciens, ils nous lâchaient comme ça. Là, on arrive pour récupérer les armes. Il nous explique d'entrée un tutoriel comment fonctionne chaque arme, que ce soit rapide, que ce soit puissant, machin. Voilà, c'est vraiment. Ils veulent vraiment viser plus de monde. Il existe 5 pièces d'armure différentes, chacune protégeant une partie spécifique du corps, la tête, le corps, les mains, la taille et les jambes. En plus d'améliorer votre défense, certaines armures peuvent également conférer des talents qui s'avéreront utiles durant les chasses. Choisissez les armures qui correspondent le mieux à votre style de jeu. Utilisez LT, RT pour consulter les caractéristiques et les talents de votre équipement. Vous pouvez également sauvegarder des sets personnalisés. Très bien. très bien. Donc bon, ça, je vais pas m'attarder dessus. Je connais un minimum les Monster Hunter, donc je sais un minimum comment fonctionnent les armes et les armures. Donc de ce côté-là, on va pas perdre de temps, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a épée de chasseur de disponible. C'est tout ce qu'on a l'air d'avoir en arme pour l'instant. Épée du chasseur. Très bien. Ah non, 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 d'accord, j'ai rien dit. On a d'autres armes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un espadon, donc ça, c'est une arme lourde. Katana, c'est une arme lourde. Épée du chasseur. Vous ne pouvez pas déséquiper une arme. Ah oui, d'accord. Donc là, actuellement, on est équipé de ça. Donc, c'est quoi? 384, 264. Ah, d'accord. Les dagues jumelles, c'est très rapide, mais bon, c'est pas très puissant. Le marteau en fer a des dégâts, mais par contre, marteau, je suis pas fan du marteau de base. Ça, c'est quoi? Une hache primaire. 188. Ouais, hache. Ah, il y a un lance-canon. Lance de fer,
cornemuse de métal, glaive en fer, déchiqueteur en fer, arbalète en fer, arc en fer, ouais. Les arcs, j'adore. En général, j'adore l'arc, mais dans ce jeu, je trouve que l'arc ne sert absolument à rien. Ça n'a pas de puissance, c'est fait pour attaquer loin, d'accord. Mais on perdra plus de temps à tuer un mob avec un arc plutôt que d'attaquer un mob avec une épée longue. Donc bon. Bon, l'arc pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'ai déjà essayé, c'est sympa, mais pas vraiment d'intérêt. Bon, je testerai quand même dans le jeu si vous voulez, mais. Non, dans le fond, je trouve que c'est pas vraiment une arme très très. Bah écoutez, je vais prendre l'espadon. Moi, j'ai toujours été très arme à deux mains dans les monsters. Pourtant, en général, je suis. Quoique. La hache primaire, c'est une arme quoi à une... Ouais, c'est une arme à une main avec un bouclier. Hache bestiaire, hache primaire. Dague jumelle. Écoutez, je vais commencer avec la hache primaire pour voir ce que ça peut donner. Alors, lien. Ah, on est protégé contre le feu quand même avec ça. Là, on est protégé encore plus au physique, mais bon, là, on est un minimum protégé contre le feu. Là. Ouais, c'est pareil. Ouais, donc ça, c'est nos armures de base. Donc, quitte à être protégé. Ouais, là, c'est pareil. Ouais. Bon, pour l'instant, je vais garder la tenue en cuir. Comme ça, je serai minimum protégé contre le feu. Même si, en termes de physique, je suis pas bon. Mais, de toute façon, on aura temps d'améliorer les armures plus tard. D'avoir des nouvelles armures après. Et pour le début du jeu, c'est pas non plus nécessaire d'avoir une grosse armure actuellement. Donc bon, on va se contenter de ça. Ça me paraît très très bien. Voilà. Ah oui, effectivement, c'est une grosse hache. On t'attend à la cantine. Ok, c'est lui le chambellan. On va pas lui parler pour l'instant. On fera une phase tutoriel plus tard s'il faut. Là, on va gentiment se diriger vers la cantine. Hein, écoutez, on va aller retrouver notre assistante. Comme ça, au moins, bah, on n'aura plus qu'à avancer gentiment. En sachant que bah, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, ça va faire. Bon, ça fera quand même un bon épisode pour vous. Moi, ça fait une heure que je tourne. Ça fait une heure que je tourne quand même. Maintenant que tu as accès à l'armurerie et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistante à la cantine pour entreprendre une quête. D'accord. Ok. Oui, d'accord, j'ai compris que tu m'attendais à la cantine. Mon charge pour me déplacer plus facilement. C'est ça le mon charge ? Ah oui. On va prendre le mont de charge. Ah, génial. Grand pont, cantine, votre chambre, forge et marché. Ah ouais, c'est bien. Putain, c'est génial. J'adore. Eh, j'adore les amis. Franchement, ce jeu est génial. Ce jeu est excellent. Je valide. Je valide. Jeu de l'année 2018 déjà d'entrée. Bon, d'accord, ça commence juste. Donc on va attendre un petit peu avant de... Hein. Mais bon, voilà. Hein. Bon, en même temps, vous me direz... Il le mériterait s'il était élu jeu de l'année 2018. Hein. Les Monster Hunter, c'est quand même une très très grosse licence. Et une des licences qui a la plus grande durée de vie de tous les temps. Ouais. Donc elle est là, ok. Ouais. Ah. Sauvegarder, d'accord. Voilà. Ok, bon, on sauvegarde ici. Et du coup, bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier épisode, les amis. Très bien. Bon, bah, je pose le casque, je pose la manette. Et moi, je vous dis donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce premier épisode de cette nouvelle aventure. J'espère que ça va vous plaire. Moi, personnellement, je suis déjà tout excité à l'idée de faire cette nouvelle aventure en votre compagnie.
Alors il viendra se placer en, à la place des Pokémon, puisque Pokémon, comme vous le savez, si vous avez suivi le live hier après-midi, vous savez que, enfin cet après-midi pour moi, mais hier parce que pour moi quand je poste la vidéo, bah, ça sera de, ça aura déjà été la veille, ou alors ça fera deux jours déjà. Non, je pense que ça sera la veille, du coup, le temps que ça se poste, non, ça sera bon. Bon, enfin, ouais, si vous avez suivi le live, du coup, d'hier, on recommence. Vous savez que Pokémon est arrivé à la fin, vous savez pourquoi, il n'y aura pas la suite après la Ligue Pokémon, donc je ne m'étends pas sur le sujet. C'est comme ça, j'aimerais bien continuer, mais bon, bah, au moins, le Let's Play, qui aura quand même duré sur des années, va se finir. Resident Evil Révélation 2 va bientôt se finir aussi. Du coup, un autre Let's Play, on passera plus tard, pour l'instant, on va se concentrer sur Monster Hunter. J'ai décidé pour les prochains Let's Play d'ailleurs, des Let's Play que je vais vous faire depuis longtemps, les amis, mais vraiment longtemps. Je vais les faire, vous inquiétez pas, ils seront faits. Mais bon, pour l'instant, voilà. Monster Hunter arrivera tous les mardis à la place de Pokémon. À partir du moment où Pokémon sera fini, il y a deux épisodes qui arriveront, on a encore de Pokémon, donc c'est-à-dire mardi. Du coup, mardi, je pense qu'il y aura un Monster Hunter et un Pokémon. Pas sur les mêmes horaires, je vais décaler. Je vais mettre Pokémon à midi, Monster Hunter à 18h, je pense, en attendant. Et après, je recalerai Monster Hunter à midi dès que Pokémon sera fini. Sachant qu'il n'y a plus que deux épisodes. On va avoir l'épisode 22, donc où on va récupérer le 8ème badge. Et le dernier épisode que je ferai en live le lendemain, donc l'épisode final pour finir la Ligue Pokémon. Voilà. Et à partir de la semaine d'après, Monster Hunter sera à la place de Pokémon. Donc ça veut dire que mardi on aura deux épisodes de Pokémon et aujourd'hui on commence donc avec ce premier épisode. Voilà, donc les nouveaux projets, comment voilà, donc comment je relance la chaîne. Voilà, c'est le nouveau format un peu que j'ai envie de faire. Dites-moi ce que vous en pensez, en sachant que les vlogs moto vont bientôt arriver. Je suis en train de m'en préparer un justement en ce moment actuellement. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs, un petit vidéo sympatoche que je suis en train de préparer. Voilà, d'ailleurs je filme avec la GoPro hein, si jamais. C'est pour ça que je m'en sers d'ailleurs avec plus de batterie. Voilà. Elle sera chargée pour le prochain épisode, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de changement de caméra en cours de route. Là, je finis avec mon téléphone, 15 minutes, 16 minutes, ouais, 17 minutes déjà. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. Je vous dis donc à très vite. Pour la suite de cette aventure, j'ai super hâte de continuer et moi je vous dis à très vite pour la suite. C'était Eshin, salut tout le monde.